Donc, la question supplémentaire qu'on va discuter, j'ai dit, je l'ai reçue de quelqu'un. La deuxième question, calculer la distance entre les deux boules, A et A', si la charge portée par A a deux fois, c'est-à-dire la charge de Q en A est le double de celle qu'en A', mais sans aucune, est-ce qu'on garde le même dispositif? On va essayer de discuter, il y a deux façons de voir les choses. Comment peut-on arriver à une solution qui est simple? Et celle qu'on va voir pour le cas, on gardera le même schéma, sauf une boule aura une charge le double de l'autre. D'accord? D'abord, on commence par ce que nous avons constaté par les calculs de sinus alpha. Nous avons trouvé que sinus alpha est égal à une valeur donnée. Et ce alpha est égal à combien? 5,68. Voilà. Alpha est égal à 5,74 degrés, les valeurs. Si nous essayons de déterminer sinus alpha, est égal avec une calculatrice. D'accord? C'est 0,10. C'est combien? 0,10. Ah, il n'y a aucun. D'accord. Essayons maintenant de déterminer alpha en radian. C'est combien? C'est 5,74 en degrés. On va diviser par 180 et multiplier par 3,14. Est égal. Vous allez trouver presque 0,1. Calculons tangente alpha maintenant. De 5,74. 0,1. Ce qu'on vient de voir, on l'utilise beaucoup en physique. Lorsque généralement alpha est inférieur à presque 15 degrés, on peut dire que sinus alpha est presque égal au tangente alpha, presque égal à alpha en radian. Évidemment, le cosinus est presque égal à 1. Ça, on l'utilise en physique. D'accord? L'année prochaine, en deuxième année, toujours on utilise pour les faibles angles, pour les angles qui sont très faibles, on peut faire cette approximation. C'est une approximation. En réalité, ce n'est pas comme ça, c'est une règle. Il y a ce qu'on appelle le développement limité d'une fonction. Vous n'allez pas les étudier en second cycle. Toute fonction, on peut l'écrire sous forme d'un polynôme à un degré donné et ce qu'on appelle le développement limité ou voisinage de zéro. Le sinus, en réalité, ça donne il y a une expression générale, c'est moins 1 à la puissance telle fois x, et ainsi de suite. Je ne vais pas vous donner, ça ne nous intéresse pas. Pour le cosinus, si dans le même le cosinus de alpha, il sera 1 moins alpha carré sur à l'ordre 2. D'accord? On verra ceci l'année prochaine, Charles. Ce qui nous intéresse ici, c'est le sinus et la tangente parce que dans nos calculs, on va essayer de faire ce travail. Donc, la deuxième question, c'est là, c'est O, là, c'est O prime. Et elle va se produire un écartement des deux. Sauf là, on aura quoi? On aura une distance des primes. D'accord? On peut dire que ici, nous aurons R prime, et ici, nous aurons R prime, et là, ça sera D.
Le procédé mathématique, il est le même. D'accord ? Si nous essayons de prendre les relations que nous avons déjà travaillées, les mathématiques, les études générales, l'application numérique n'est pas, ne peut pas changer les relations mathématiques. C'est-à-dire l'application numérique, c'est ce qu'on aura à la fin. Qu'elle soit Q ou Q prime, le double ou tel, on a le même procédé mathématique qu'on utilise. Redonnez-moi les expressions que nous avons. Là, on aura F prime E. Vous êtes d'accord ? Quelle est l'intensité de F prime E dans la deuxième question ? Qu'est-ce que nous avons changé ? D'abord, est-ce qu'on aura les mêmes F prime E ici ? Non. Nous avons changé la charge que de, par exemple, de cette boule. Est-ce qu'on n'aura pas les mêmes forces ? Est-ce que les deux boules ne subissent pas la même force ? C'est bien la même force. Pourquoi ? Et quelle est la justification ? Même là, c'est Q, par exemple. Et là, c'est 2Q. Voilà la question. Le fait qu'ils ont des forces, soit le double, soit le moins, ça ne va pas influencer. La loi de Coulomb nous dit que 1 fois Q2, les deux boules subissent de forces de même intensité, de même direction et de sens opposé. Ça n'a rien à voir avec ces Q ou 2Q. Donc, celle-là, elle contient Q et Q prime et l'autre. Donc, cet angle-là, on va le noter alpha prime, elle est un angle déviation de deux côtés. Quand on change la charge de la boule A ou de la boule A prime. D'accord ? Vous êtes d'accord ? Un des deux boules, première question, j'avais le même Q. Et il y a répulsion. Nous avons parlé que les deux boules subissent la même force. Que je garde Q et 2Q, j'aurai toujours la même déviation de deux côtés. Parce que cette force-là, électrostatique et celle-là, ils ont même expression. Quelle est son expression ? C'est K fois Q fois Q prime sur D carré. Qu'elle soit celle-là 2Q ou celle-là Q, dans l'expression, ça ne change en rien. C'est-à-dire que ce F'-là, elle est la même que ce qu'ici. Et l'expression de F prime, c'est K fois quoi ? Q fois 2Q, donc ça sera 2Q carré sur D prime carré. Là, lorsque nous avons changé la charge d'une boule par le double de ce qu'il y avait dans la question 1. D'accord ? Revenons aux expressions-là. Ce F prime, E, c'était quoi ? C'était P fois tangent alpha. Mais là, alpha prime. On a changé la charge, donc on changera même la déviation. D'accord ? Plus l'intensité de la force est grande, plus la déviation est grande aussi. Donc, c'est pas, ça sera alpha prime. Le sinus de alpha prime, c'est quoi ? C'était le même. Sauf qu'on aura, au lieu de D moins R, on aura D prime moins R prime. C'est D prime moins R prime sur 2L. Oui, c'est... Non, c'est le côté opposé, c'est petit R. Oui, je vais essayer de... Là, c'est R prime sur L. Et R prime, c'est quoi ? C'est grand D moins... C'est grand D prime moins... Petit D. Oui, c'est égal à D prime moins petit D sur 2L. Voilà. La question, c'était quoi ? C'est de calculer D prime. Quelle est la nouvelle distance entre les deux boules ? Pourquoi j'ai fait cette introduction ? Nous avons donc, on peut, là nous avons deux équations dans lesquelles on doit résoudre pour arriver à D. Dans celle-là, c'est quoi ? C'est K, c'est 2. Donc je vais mettre 2K fois Q carré sur
sur 2 prime carré est égal à 1 fois g fois tangente alpha prime. En réalité, ce que nous avons fait tout à l'heure, on a calculé alpha de cette question, on l'a injecté dans la deuxième. Mais là, il y a des primes dans les deux. Donc nous avons deux équations avec deux inconnus. D'accord ? Comment on fait, soit un système de... Mais dans ce cas-là, on va essayer de profiter de ce que alpha et les petites. Et qu'est-ce qu'on aura ? On aura alpha prime et petite. Ça veut dire quoi ? Que alpha prime est égal à d prime moins d sur 2l. Et là, alpha prime est égal à quoi ? Alpha prime est égal... Là, c'est mg, je vais le mettre ici. 2 fois k fois q carré sur mg fois d prime au carré. C'est-à-dire celle-là doit être égale à celle-là. Et on ne va pas aller trop loin. C'est les mathématiques qui vont faire ce travail-là. Ça veut dire que d prime moins d sur 2L est égal à 2K fois Q' sur MG fois D' au carré. Ce qui va nous ramener à quoi ? À une équation de troisième degré. Le seul inconnu, c'est D'. Donc celle-là fois celle-là est égal à celle-là fois celle-là. C'est-à-dire D' moins D fois D' carré est égal. Je garde C, 2 et 2, ça fait 4 K fois L fois Q carré sur LG. Et je vous laisse le soin de continuer. Là, je peux l'écrire comme quoi l'équation mathématique de troisième degré, ça sera D prime fois D, c'est D prime à la puissance 3. Moins, où je peux mettre, c'est A fois D prime au carré est égal à B. Voilà l'équation mathématique que vérifie D. On doit la résoudre et prendre les valeurs qui correspondent à notre expérience, à notre étude. D'accord ? C'est ça. Ça, c'est le cas, si on veut, difficile. J'ai cherché dans l'internet, il y a, les mathématiques nous donnent une solution de cette, on pose invariable. Vous n'étudiez pas la résolution des équations de troisième, non. Mais c'est quelqu'un qui est un peu curieux, ou une de vous, elle est curieuse. Essayez de chercher quelles sont les solutions de cette équation-là. On calcule A à partir de là. Petit, dans ce cas, petit A, c'est moins D. Et A, on fait la calcul, on remplace B par cette valeur-là. L'autre cas qui est le plus simple, c'est on regroupe les O avec O prime et on essaie de calculer cette distance-là. Pensez, d'accord. Là, j'ai dit on cherche une solution de cette équation et atteindre la valeur. Évidemment, on gardera que les valeurs qui sont acceptables physiquement. C'est-à-dire, D ne doit pas être négatif. D ne doit pas être une valeur qui est très grande, qui dépasse... là, nous avons déjà D de quelques centimètres. D'accord. Mais je vous donne... L'autre cas qui est plus simple, essayez de donner la réponse suite à cette résolution. Là, c'était la question qui a été posée par quelqu'un. Je ne peux lui donner que le chemin qu'il doit suivre pour répondre à cette question-là. Je reprends ici le cas le plus simple. Donc, on va choisir ce E. Ces O et O' doivent être confondus. Donc le cas O et O', et on aura là
Et si c'est décrit la 2Q et la Q, qui peut nous donner le travail qu'on doit faire pour arriver à déterminer des primes. Et là, on peut arriver à la valeur de D. C'est pas comme dans le cas où nous avons une équation. Si vous essayez de chercher une solution et de trouver une méthode qui est plus simple à celle que je viens d'exposer, essayez de faire cette remarque. Et dites-moi, c'est vraiment, il y a une autre méthode qui est plus simple que celle que je viens d'utiliser. D'accord ? Évidemment, la réponse sera récompensée. D'accord ? Il doit être récompensé, évidemment. Tout travail aura un prix. Donc, revenons à ce cas-là. Le plus simple. On n'a pas de D. Oui. On va revenir aux équations que nous avons déjà. D est égal à 4Q, est égal à B. Comment ? D en Q est égal à B, donc est égal à 4Q. C'est ça les mathématiques. C'est-à-dire on n'a pas D. D est égal à 0. Et lorsque D est égal à 0, on aura D'3 est égal. C'est ça, si les mathématiques est un jeu, donc on doit respecter les règles. Donc, c'est un cas général, évidemment. Soit qu'on refait le travail de les relations sinus alpha, c'est le côté de D sur 2, soit votre camarade, elle a fait un raccourci et dire que, d'une façon générale, D3, on revient à D' moins petit d fois D' carré est égal à 4K fois L fois Q carré sur MG. Et si D est nul, donc D est égal à 0, on aura D'3 à la puissance 3 est égal à 4K fois L fois Q carré sur M fois G. Et par la suite, D prime est égal, c'est la racine cubique de 4K L Q carré sur M G. 4K fois L fois Q carré sur L G. Votre camarade qui vient de donner cette réponse, ça rappelle une petite anecdote qu'on dit toujours. C'était dans une classe, peut-être un élève s'est endormi. Une fois qu'il s'est réveillé, il a vu sur le tableau, vous la connaissez ? Oui. Il a vu une relation qui... Oui, c'est un exercice à faire. En réalité, le prof, il a dit que cette relation n'a pas encore arrivé à sa solution. Et il a pris la relation le lendemain et l'a apporté la résolution. Donc, dans certains cas, connaître la difficulté à l'avance peut nuire. Mais lorsqu'il l'a pris comme un exercice, il est arrivé à le résoudre. Par contre, ses camarades qui savait à l'avance que c'est difficile, c'est pas... Ils n'ont rien fait. D'accord ? Voilà, on passe à l'exercice 1. Et là, ce sont les exercices... exercice numéro 1. D'accord ? Essayez de... Si vous mettez remarque... Ce type de question éveille en nous une petite curiosité. C'est avec ce type de questions qu'on peut développer notre façon de traiter les questions. Et ce sont ces types de questions qui font la différence. D'accord ?
Comment? 13,8 ici. Ah, mais des primes est égal à 13,8 cm. Mais en mètres. Il faut essayer de la C4 fois 9 à la 10 à la puissance 9 fois L fois 7, c'est combien virgule? Je pense pas, parce que là c'est moins 8. Tu vois, c'est moins 8 à la puissance 2, c'est moins 16. D'accord? Essaye de peut-être dans les unités. Je croyais en centimètres. C'est acceptable. Q, c'était 8, moins 8. Et tu mets le carré. Ça donne moins 18, moins 8, c'est moins 16. Avec le moins 9, comment? 0,05 quoi? Mètre. C'est 50 centimètres, 0,05 centimètres, donc c'est 5 centimètres. Dans ce cas-là, oui, c'est acceptable. Parce que j'ai pas mis le temps. Oui, c'est... C'est combien L? Elle, c'est 10 centimètres. Je veux bien que dans une séance prochaine, quelqu'un me dit, voilà, tu veux la solution de cette équation. C'est D est égal, et voilà. Comment? Oui, j'ai cherché, il y a une méthodologie de résolution, on pose tel, voilà, et c'est purement mathématique. Mon côté comme physicien, c'est d'arriver à l'expression de cette équation, et les mathématiques doivent faire son travail, voilà. Et vous aussi. Vous avez devant vous des situations comme celle-là, et vous devez vous entraîner à faire un tel travail. D'accord? On passe à l'exercice 1. Et c'est là où on va essayer de représenter le champ électrostatique. Est-ce qu'elle est centripète, centrifuge?